Donc il y avait du travail, il faut. Je m'appelle Moussa Amoué, je suis le chef des services administratifs de l'UFR des sciences de l'éducation de la formation du sport. Merci beaucoup, bonjour. Donc je suis Ousmane Thiaré, je suis recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. De la section technologie agroalimentaire à l'Université Gaston Berger. Ok, aujourd'hui vous êtes véritablement dans une activité qui est en lien avec le club. Je me nomme d'abord Khadim Diouf, je suis ingénieur agronome de formation et je suis le chargé de la ferme Génération de ressources de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je m'appelle Roland Dardache, bibliothécaire du CRS de l'UGB. Nous faisons de l'apiculture pour produire du miel. Du miel, il y a aussi de la gelée royale, du venin d'abeille. Nous sommes sortis de cette rencontre extrêmement satisfaits de la qualité des interventions. L'organisation faite par les étudiants et les étudiantes est quelque chose à saluer, de même que les collègues. Merci. Nous sommes à Ndar. Ndar en Wolof ou encore Saint-Louis du Sénégal, cette ville historique de l'Afrique occidentale française est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'embouchure du fleuve Sénégal, faisant la frontière avec la Mauritanie, notre Ndar historique est aussi devenue Saint-Louis, ville universitaire. Nous sommes à l'Université Gaston Berger, UGB. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Télé-École. Discover My School a sa première université avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Un mythe pour beaucoup d'entre vous. On va aller à sa découverte tout de suite. Et je vous assure, mesdames, messieurs, qu'à la sortie de cette émission, vous saurez carrément, je vous dis carrément tout de cette université. Allons-y tout de suite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie-Fatima et bienvenue à l'Université Gaston Berger. Merci beaucoup. Alors, notre visite va commencer par quoi ? Bon, tout d'abord, on va commencer par faire un petit lip-dup fait par les différents présidents de chaque UFR. Allons-y. Pour souhaiter la bienvenue à l'équipe de Télé-École, les différents représentants de faculté ont procédé à la présentation des UFR, un avant-goût aux grandes découvertes. Avec une année universitaire lourdement chargée de tensions, l'UGB reste déterminée à garder son charisme d'excellence, son image de grande performance. Un produit de la maison est nommé recteur. Je suis recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il faut aussi préciser que je suis un pur produit de l'UGB. Je suis arrivé à l'UGB en tant qu'étudiant en octobre 1994 pour suivre des études en mathématiques. Donc j'ai eu un DA de mathématiques en 2000
Puis, je suis allé en France faire un DA d'informatique à l'université de François Rabollet de Tours. Ensuite, j'ai été recruté, je suis revenu en tant qu'assistant, stagiaire en novembre 2002. C'est par la suite que j'ai fait ma thèse à l'université de Cergy-Pontoise, une thèse en informatique. Après, je suis revenu pour occuper certaines fonctions à l'université Gaston Berger, à la section d'informatique de l'UFR-SAT. J'ai été chef de la section d'informatique entre 2007 et 2009. Ensuite, j'ai occupé le poste de responsable des masters en informatique, responsable du troisième cycle, de 2011 à 2013. Et j'ai aussi occupé le poste de directeur du centre de calcul à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de novembre 2013 à 2016. Ensuite, j'ai occupé le poste du coordonnateur du centre d'excellence africain en mathématiques, informatique et TIC. Et depuis quelques mois, depuis deux mois maintenant, j'ai été nommé recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Temple du savoir, l'Université Gaston Berger compte dans ses actifs un centre de recherche et de documentation ouvert aux élèves, aux étudiants et chercheurs. Le CRDS est créé en 1943, plus connu à l'époque coloniale sous le nom IFAN Sénégal-Mauritanie. Il devint en 1962 une propriété sénégalaise sous la tutelle ministérielle de l'éducation. Depuis 2007, le CRDS est rattaché à l'UGB et sert de hub pédagogique à l'UFR des civilisations, religion, art et communication. Rebaptisé Centre Yorobo Lidiao, le CRDS reste un centre d'attraction avec son musée, sa bibliothèque, son laboratoire, avec un pont et prestigieux trésor de témoignages matériels. Découverte pour découverte, ici, la bibliothèque. Je m'appelle Roland Dardache, responsable de la bibliothèque du CRDS de l'UGB. Bienvenue à la bibliothèque du CRDS de l'UGB. Voilà, voici la bibliothèque du CRDS, Centre de recherche et de documentation du Sénégal. Ben, cette bibliothèque, nous pourrons dire qu'elle remonte des années, l'origine remonte des années 1837. Voilà. Elle remonte depuis les années 1837, voilà. Bon, les livres que nous avons depuis mon arrivée, en tout cas, c'est des livres que nous achetons, que l'on appelle dans notre jargon l'acquisition. Chaque année, on doit faire une acquisition d'ouvrages nouveaux concernant les œuvres au programme. Voilà. Cette bibliothèque, elle, c'est un héritage colonial parce que ça fait partie d'une bibliothèque de l'AOF. Parce qu'au temps de Faidherbe, c'était implanté surtout au fort, après, puis au palais. Et c'est en 1954 que le centre a été créé et ils ont finalement installé la bibliothèque ici, en 1954. Voilà, depuis lors, c'était un centre qui s'appelait Centre IFON, Sénégal-Mauritanie. Jusqu'en 1962, que la Mauritanie s'est retirée pour laisser le centre au Sénégal. Donc depuis 1962, le nom aussi a changé pour prendre le CRDS, le Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal. Et là aussi, la bibliothèque était sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. C'est en 2007 que le centre a été rattaché à l'Université Gaston Berger. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, on peut constater que dernièrement, on peut dire que les élèves, les étudiants ne lisent plus grâce à l'avancée technologique, c'est-à-dire on peut facilement rechercher sur les téléphones portables et trouver ce que l'on cherche. Donc, est-ce que vous pouvez un peu me parler? Est-ce qu'il y a des va-et-vient? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour s'inscrire? Est-ce que vous trouvez du monde? Malgré tout cela, nous trouvons quand même du monde parce que les gens viennent. On peut dire qu'il y a une avancée technologique, mais à propos des œuvres au programme, d'une part, sur le net, on ne peut pas trouver ces œuvres-là au programme. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que le net offre des produits qui sont payants, alors que la population n'a pas les moyens. Donc nous sommes là pour appuyer ces gens-là.
Donc vraiment, depuis qu'on est là, il y a du monde. Toujours dans la bibliothèque du CRDS de l'Université Gaston Berger, en compagnie de Monsieur Dardache. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que vous classez ces différents livres? Parce que quand même, il y en a beaucoup. Là, en ce moment, nous utilisons la CDD, la classification décimale de Douai, qui comporte 10 classes. Pour la première classe, nous avons la classe 0. Là, c'est les ouvrages qui concernent surtout les sciences de l'information documentaire et le journalisme, et tout ce qui concerne les musées, voilà, et les encyclopédies. Dans la classe 100, nous avons tout ce qui concerne la philosophie. Et la classe 200, vous avez tout ce qui concerne la religion. Et la classe 300, vous avez tout ce qui est sciences sociales. Dans sciences sociales, bon, on n'a pas assez d'espace, c'est pourquoi on l'a classé ainsi. Nous avons tout ce qui concerne la sociologie, l'anthropologie, la politique. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne aussi l'esclavage, l'économie, finances, tout ce qui concerne le droit et l'agriculture, et les comptes aussi. Dans la classe 400, c'est tout ce qui concerne la linguistique, les langues. Dans la classe 500, nous avons tout ce qui est sciences, mathématiques, voilà. Et 600, vous avez tout ce qui concerne la technologie. Dans la technologie, vous avez tout ce qui concerne la médecine, comptabilité, management, ressources humaines, marketing. La classe 700, elle est là. C'est tout ce qui concerne les arts. Dans l'art, folklore, musique, danse et autres. Voilà, la classe 800, elle est là-bas. C'est tout ce qui concerne la littérature. Roman, poésie, rhétorique, littérature africaine, littérature française. Et la classe 900, c'est la dernière classe qui concerne l'histoire et la géographie. Dans la deuxième salle, nous avons aussi tout ce qui concerne les romans africains et les romans étrangers. On les a séparés. Il y a aussi tout ce qui concerne la biographie de certains auteurs. Voilà, en grosso modo, c'est le classement que nous avons ici. Merci beaucoup à M. Dardache pour la présentation de la bibliothèque CRDS de l'Université Gaston Berger. Tout de suite, nous allons à la découverte d'un autre endroit, toujours dans CRDS Saint-Louis. Le CRDS, c'est aussi un musée, un travail de conservation du patrimoine. Ici, des images nous parlent, des objets d'histoire nous interpellent. Tout nous oblige à puiser davantage dans les profondeurs de l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique. Je suis conservateur de musée. Donc je travaille au CRDS depuis 2007 et je vais vous faire la présentation de la partie du musée du CRDS. Vous avez déjà visité la bibliothèque du CRDS. Et comme sûrement on a eu à vous le dire, le CRDS est composé pratiquement de trois entités. En dehors de la bibliothèque, nous avons une photothèque, et une photothèque qui est sous-partie même du musée. Donc le musée du CRDS, c'est un musée d'histoire, de préhistoire, d'ethnographie, d'ethnologie, d'art et de tradition populaire, et une partie de collection qui traite de la faune et de la flore de la vallée du fleuve Sénégal. Donc ce sont les collections sont principalement composées d'objets des collections Bassari, mais aussi quelques œuvres que nous avons éditées des premières expositions du festival de 1964. Donc à l'origine de nos collections, il y a aussi les premières collections qui ont été réalisées par M. Guy Tillmans, qui a été un anthropologue, qui a même eu à siéger au niveau du CRDS. À l'époque, c'était le Centre Yves France Sénégal Mauritanie. Donc les premières collections, donc il y a eu la collection de Adandé. Il y a quelques expos qui sont restés au moins sur place pour permettre aux élèves, principalement qui constituent notre public principal, de voir de visu ces choses dont on leur parlait en classe, notamment la salle d'archéologie et une partie qui va traiter peut-être de la salle au niveau de la salle art et tradition populaire. Donc sans plus tarder, on va voir ces expos. Riche en collections, la réserve du centre constitue le cœur du musée de par sa densité, son originalité, la diversité de ses collections.
Donc ça, c'est la réserve du musée. Dans la plupart des cas, quand vous entrez dans un musée, vous avez l'habitude de voir des objets qui sont exposés. Mais sachez que la plus grande partie des objets se trouve au niveau de la réserve. C'est pourquoi dans notre réserve, on dit réserve cœur de musée. C'est à ce niveau que plus de 90% des collections sont. Pierre, métaux, céramique, tout est conservé dans les règles de l'art et permet aux élèves et étudiants de se faire une idée réelle des sources historiques. Cette salle est montée exprès pour servir de support pédagogique aux élèves. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le public principal qui visite le musée, c'est les établissements scolaires. Donc on a fait exprès de monter ce genre d'exposition pour leur permettre de voir de visu ces choses dont on leur parle en classe. Les élèves de 4e, par exemple, on leur parle de paléolithique, de néolithique, de pierre taillée, de pierre polie. Donc au niveau de ces expos, ils vont voir de visu ces choses dont peut-être qu'ils n'ont pas eu la chance de voir en classe et qu'ils vont trouver au niveau des musées. Et ces pierres datent de vraiment très très longtemps. Ouais, effectivement. Et maintenant, la photothèque. À l'intérieur, vous avez également des pochettes polyéthylène. Donc, toujours dans le domaine de la conservation de ces images. Parce que les images positives, donc, le tirage se fait à partir du papier barité. Papier barité, donc, autrefois, au 18e siècle jusqu'au 19e siècle, la reproduction photographique se faisait sur du papier barité. Donc, pour éviter la dégradation, donc, il faut avoir donc, ces supports. Ces supports, en fait, pour éviter la dégradation. Après une période de crise universitaire, la lourde tâche est confiée au nouveau recteur de relever un certain nombre de défis pour, non seulement, gagner la confiance de la famille universitaire, mais surtout garantir une stabilité universitaire. En tant que pur produit de l'UGB, M. Ousmane Tcharé est en terrain connu. Les défis, je peux. Pour moi, les défis, ils sont nombreux. Je peux en citer au moins trois qui, pour moi, sont importants. Il faut d'abord parler du contexte dans lequel je suis arrivé. J'ai été nommé recteur. Je pense que nous sommes. L'université a traversé une crise. Et notre premier défi a été de parler à toute la communauté pour vraiment installer un climat de paix, apaiser la tension sociale. Donc, ça, vraiment. C'est un premier défi. Je pense que c'est un défi que nous avons réussi avec l'ensemble de la communauté. Et il faut faire de sorte que cette paix, l'apaisement de cette tension sociale-là puisse perdurer. Alors, le second défi, c'est la reconstruction de notre université. Comme vous le savez, ces événements ont créé beaucoup de saccages. Nous avons eu vraiment beaucoup de saccages au niveau de nos bâtiments. Je veux parler du rectorat, de l'UFR-LSH. De la direction de la scolarité, de l'agence comptable. Vraiment, nous avons essuyé vraiment beaucoup de saccages et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir que tous ces bâtiments-là soient reconstruits. Je sais que l'État va nous appuyer, l'État s'est engagé à reconstruire cette université-là et pour nous, c'est un défi qui est extrêmement important. Des pas importants ont été faits
par l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et je pense que d'ici quelques mois, je pense que nous allons vraiment reconstruire notre université, en tout cas par rapport à tout ce que nous avons perdu dans cette crise. Alors que les équipes de télé-école déroulent, les étudiants nous convient à la découverte de l'organisation de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans une approche pédagogique, les étudiants occupent les devants de la scène. Entrepreneurship et leadership exigent. Chers téléspectateurs de la télé-école, aujourd'hui, la section communication, plus précisément l'UFR CREC, vous invite à la Journée mondiale de la liberté de la presse, avec comme thème médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Pour cet après-midi, l'UFR CREC vous propose une conférence de presse avec divers invités. Nous vous invitons alors à y assister. Avant de donner la parole à nos collègues, avant de donner la parole à nos invités, au public, peut-être donner la parole à Mouka, on va parler de confrontation. Mouka, peut-être sur votre adresse. Entre étudiants, enseignants et professionnels des médias, les débats s'enchaînent, ce dont suffit avant de laisser place au plaidoyer. La Journée mondiale de la liberté de la presse vous propose un pitch plaidoyer pour État, justice, citoyens, pour faire agir, vont essayer de défendre leur opinion et ainsi de défendre la liberté de la presse. Le journaliste modèle doit avoir pour seule visée d'informer le peuple de manière fiable et dans le respect des règles. Mais dépénaliser les délits de presse reviendrait à avoir un traitement de faveur sur un groupe de personnes données, et par la même voie à bafouer le droit à l'égalité des citoyens. Ainsi, cette sorte de favoritisme, l'État ne peut que la décliner, et elle n'hésitera pas une seule seconde à sanctionner tout délit de presse à chaque fois que le besoin se fera sentir. Car le peuple n'est pas un objet,
mais une vive voix, voire même un pouvoir qui a droit à l'information juste et vraie. Défendons la liberté d'expression et la liberté de la presse en tant que droits fondamentaux. Prenons la vérité, oui la vérité, rien que la vérité, pour une liberté d'expression plus effective. Merci de votre attention. Alors, le directeur de l'UFRCRAC, M. Morfay, remercia l'assistance et exhorte les étudiants à de meilleures performances. Nous souhaitons vraiment la bienvenue et nous souhaitons aussi un échange sur la thématique de l'UFRCRAC pour les rapports entre les médias, la justice et les pouvoirs étatiques. Et moi, je vais acheter un état de droit démocratique parce que un état de droit aussi pour ne pas être un état de droit démocratique. Donc, je vais dire à mon collègue Franck de l'État parce que les états hitlériens qui ont dit que les états de droit ne sont pas de droit démocratique. Nous sommes en train de notre vidéo de droit. Après, merci beaucoup et nous souhaitons la bienvenue à l'UFRCRAC. Et comme une passation de service anticipé, l'actuel directeur de l'UFRCRAC, Dr. Patrice Correa, délivra un discours magistral sur le choc média-pouvoir. L'information, elle est dynamique. Son but, c'est de créer un déclic pour que la société aille de l'avant, qu'elle continue de conquérir des acquis, pour que tout le monde puisse vivre en paix, en tranquillité. C'est tellement beau d'être dans une société stable, paisible, où les gens peuvent sortir à n'importe quel moment sans être inquiétés. Justement, c'est ça la liberté. Et le rôle des médias, le rôle des professionnels des médias, c'est de contribuer à ça et d'y veiller tous les jours. Par ailleurs, il faut bien qu'il y ait des mécanismes qui puissent permettre à cette dynamique-là de ne pas pouvoir aller dans tous les sens. C'est pour ça que la liberté, on le sait, on a du mal à l'arrêter. Et on a besoin d'avoir, justement, ce cadrage de la justice qui veille, quelque part aussi, sur ce quatrième pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans quelque chose qui bouge. Parfois, c'est des chocs, mais c'est pour construire un idéal, l'idéal démocratique, l'idéal de société. On est en présence de quelques docteurs ici, en l'occurrence Dr Sohna Sekissar, Dr Juma Diallo. On va leur poser quelques questions pour savoir ce qu'ils pensent de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Merci beaucoup. Je pense que cette édition 2018 a été une réussite en termes d'innovation, notamment avec la caravane de sensibilisation qui a parcouru les différentes artères de la ville de Saint-Louis. Donc nous félicitons les étudiants pour cette innovation. Je pense aussi que les étudiants ont fait entendre leur voix à travers les pitch plaidoyers et ont donné leur contribution par rapport à la thématique de cette année. Ça aussi c'est une chose à saluer. L'organisation faite par les étudiants et les étudiantes est quelque chose à saluer, de même que les collègues. Merci beaucoup et vive JLMP 2019. Je vais laisser mes collègues donner aussi leur appréciation de cette 6e édition pour l'Université Gaston Berger. Merci. Alors, docteur Juma Diallo, on va juste vous demander qu'est-ce que vous pensez de la conférence qui avait comme thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Donc, comme vous avez pu le constater, ça a été une conférence où les étudiants ont tenu d'abord à répondre massivement présents, où nous avons eu quand même un plateau de prestige, nous avons eu des universitaires, nous avons eu des professionnels de l'information et qui ont eu à partager leur expérience. Et ça a été une très, très, très belle journée, une très belle confrontation. L'organisation exceptionnelle de cette journée par les étudiants est l'évocation d'une dynamique de leadership insufflée par voie pédagogique au point de pouvoir assurer à tous les niveaux. Je suis Diane Abokuyate, étudiante en licence 3 de communication et par ailleurs la coordinatrice adjointe de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse organisée par les étudiants en licence 3. Apparemment, il y a eu beaucoup d'organisations. Comment vous êtes débrouillée pour l'organisation de cette journée ? C'était ça le but, parce que dans le cadre de notre formation, n'est-ce pas, on nous pousse justement à organiser des événementiels
juste pour essayer d'analyser, d'examiner notre capacité d'organisation. Et donc, il y avait du travail, il faut le dire. Mais on a pu quand même faire diverses activités parce que ce matin, on a organisé une caravane de sensibilisation à la ville de Saint-Louis avec comme itinéraire le Haut Commissariat de l'OMVS pour terminer à la place Sonatel. Arrivé là-bas, on a eu à faire un sketch, mais également une plaidoirie. Et dans l'après-midi, à partir de 15h, comme vous avez constaté, il y a eu un vernissage. Et à travers ce vernissage, il s'agissait justement de présenter les devoirs et les droits des journalistes qu'on trouve dans le nouveau code de la presse, mais également de présenter les grandes figures, disons, du journalisme. Et il y a également, comme vous l'avez constaté aussi, une grande confrontation entre des sommités que nous avons pu décrocher pour essayer donc de parler et d'expliquer, de décortiquer le thème de cette année, à savoir médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Les bonnes lipones d'un âme, Maniawante Africa, les bonnes lipones. L'université Gaston Berger est un creuset d'actions et de merveilles. Des salles de conférences et d'amphi, nous nous retrouvons à la ferme Génération de Ressources. Ici, on cultive, on arrose, on expérimente au service de la recherche universitaire pour le développement. Bonjour tout le monde. Moi, je me nomme d'abord Khadim Diou, je suis ingénieur agronome de formation et je suis le chargé de la ferme Génération de Ressources de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la partie qui concerne le rectorat pour la génération de ressources. Et là, nous sommes sur un domaine qui fait environ 13 à 15 hectares et donc nous avons démarré à exploiter depuis l'année dernière. Maintenant, nous sommes au niveau de cette ferme. Ici, nous avons différentes spéculations qui sont mises en place, qui sont installées. Nous avons à côté le piment, donc une variété de piment, ça c'est le bigois, le rouge, et ça c'est le bigson, jaune. Nous avons aussi des différentes variétés de choupamé que nous sommes en train d'expérimenter pour leur adaptabilité et leur productivité, donc en fonction de la saison chaude. À côté, nous avons aussi des variétés de tomates que nous expérimentons aussi, à même titre que les choupamé. Mais de l'autre côté, nous avons 2 hectares d'oignons que nous avons installés ici pour la production. Nous faisons des tomates tables, nous faisons donc le gombo, nous faisons en même temps les aubergines, aubergines amères et aubergines doux, et le poivron, donc les différentes spéculations maraîchères en tout cas qui sont souvent utilisées au niveau donc du bol alimentaire sénégalais, nous les faisons ici dans cette partie génération de ressources. Ces étudiants en formation allient théorie et pratique. Cela se joue entre salle de classe, laboratoire de recherche et périmètre maraîcher. Bon, le nom c'est Malik Ali Houssen, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, j'ai fait la formation dans les sciences agronomiques, ici à l'UFR des sciences de l'agronomie, la technologie agroalimentaire. Donc là, on vient juste de terminer notre licence en agronomie, sélectionné pour le master bien de l'oignon. Parce que c'était environ une demi-hectare qu'on avait exploité ici. Bon, pour le système de production, on avait fait préparer notre pépinière pour 45 jours. Après, on a fait le repiquage donc, de l'oignon qui a duré 3 mois donc, pour arriver à maturité. Donc là, on est en période de récolte. On a commencé la récolte depuis ce matin-là. On est en train de mettre donc, dans des sacs de 40 kg. Pour nous faire découvrir d'autres merveilles de l'université, notre étudiant nous conduit à la section aquaculture. Donc ici, c'est la section aquaculture qui exploite donc cette partie. Donc là, ce que nous faisons, c'est la pisciculture. Donc l'aquaculture, comme vous le savez, c'est l'exploitation donc, ou l'élevage donc, des animaux, animaux et végétaux qui vivent dans le milieu aquatique. Donc pratiquement ici, non. Ce que nous faisons ici, c'est la pisciculture, l'élevage donc, des animaux vivant dans le milieu aquatique. Donc pratiquement,
L'espèce que nous avons ici, c'est le tilapia Oreochromis niloticus. Donc, c'est le tilapia du Nil qu'on appelle OAS. OAS, oui, en Wolof. Donc, mais les différents types d'infrastructures que nous avons ici, c'est des infrastructures en béton. Donc, c'est des bassins donc cimentés que nous avons ici. Donc, pour les différents types d'infrastructures, comme vous le voyez, il y a un grand bassin qui nous sert pour le grossissement des poissons, qui est de 500 mètres carrés. Donc, il y a une capacité d'avoir jusqu'à 10 000 individus. Mais pour le moment, on a 3 000 individus à l'intérieur. Là aussi, à côté, vous avez des bassins de reproduction qu'on utilise. Donc, il y a des géniteurs qu'on utilise, qu'on a consacrés uniquement pour la reproduction. Après, on fait la récolte des larves à chaque fois, ramenées dans la salle pour essayer de faire le traitement nécessaire. On les ramène après derrière les infrastructures que vous voyez pour le faire, le pré-grossissement, afin de lancer aussi un nouveau cycle. Donc là, presque, ça nous sert aussi de pratique, parce que pratiquement, comme vous le savez aussi, c'est l'aquaculture d'une manière générale, c'est la pratique qui compte le plus. Et là, vraiment, ces infrastructures-là que nous avons ici, ça nous sert de pratique. Et pratiquement, comme vous le voyez, ce sont les étudiants qui sont là, chaque jour en train de faire la pratique. Et là, donc, je parie que c'est une très bonne chose pour l'ensemble des étudiants qui sont dans l'UFR, dans la section. À l'UGB, la recherche c'est aussi autour du monde des abeilles et du miel. Une longue histoire environnementale et alimentaire qui anime les débats du monde universitaire. Ici, toute histoire de santé. Ça fait maintenant un an, raison pour laquelle voilà comment la colonie est tellement forte. Juste pour revenir un peu sur la notion de colonie, chaque colonie est constituée d'une reine, des ouvrières et des faux-bourdons. Ce sont les ouvrières maintenant qui se chargent de produire du miel. Parce que je ne peux pas parler d'apiculture sans vous parler du miel. Nous faisons de l'apiculture pour produire du miel. Du miel, il y a aussi de la gelée royale, du venin d'abeille, les autres produits de la ruche que nous ne produisons pas. Mais à notre niveau, cette activité va nous permettre de produire du miel qui est vraiment un aliment très très complet, bon pour la nutrition et utilisé en médecine et dans d'autres domaines aussi. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment les abeilles construisent et bien remplies de miel. Tu vois, je devais amener une brosse à abeilles avec moi pour pouvoir enlever d'abord les abeilles avant de couper un peu. On va leur voler un peu de leur miel. Je vais remettre les barrettes. Normalement, si c'était une véritable récolte, je vais avoir une caisse vide où il y aura des barrettes. Où il n'y a rien du tout. Ensuite, si on enlève sur une barrette et que l'on enlève les gâteaux de miel, on remet directement d'autres barrettes et les barrettes contenant les gâteaux sont mis dans une caisse vide pour ensuite transporter dans la miellerie avant de procéder à l'extraction. Puisque on les a manipulés en plein jour, mais et sans en fumoir aussi, raison pour laquelle elles sont très agitées comme ça et nous, on va les laisser tranquilles pour partir. Donc, voilà, de manière générale, ce que nous voulons, c'est de produire assez de miel issu à l'université afin d'alimenter, pourquoi pas, toute l'université Gaston Berger en miel. Et nous venons de démarrer et nous souhaitons vraiment aller de l'avant avec le soutien de l'ensemble des professeurs de la section et ainsi que du directeur de l'UFR des sciences d'agronomie. Merci. Donc il y avait du travail. Il faut. Le journaliste modèle doit avoir seul visage. Je m'appelle Moussa Doué, je suis le chef des services administratifs de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport. Merci beaucoup, bonjour. Donc je suis Ousmane Thiaré, je suis recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. De la section technologie agroalimentaire à l'Université Gaston Berger.
Ok, aujourd'hui vous êtes véritablement dans une activité qui est en lien avec le club. Je me nomme d'abord Khadim Diouf, je suis ingénieur agronome de formation et je suis le chargé de la ferme Génération de ressources de l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis. Je m'appelle Roland Dardache, bibliothécaire du CRS de l'UGB. Nous faisons de l'apiculture pour produire du miel. Du miel, il y a aussi de la gelée royale, du venin d'abeille. Nous sommes sortis de cette rencontre extrêmement satisfaits de la qualité des interventions. L'organisation faite par les étudiants et les étudiantes est quelque chose à saluer, de même que les... L'UFR Sciences Politiques et Sciences Juridiques, Droit et Politique de l'UGB a organisé aujourd'hui une journée de commémoration, de prière, mais aussi de célébration, de témoignage sur la vie et l'œuvre du défunt professeur Maya Sendiane.